Là-bas, on l'appelle le ukulélé. Le ukulélé. Et ce ukulélé fait partie, bah, comme vous pouvez le voir, de beaucoup d'instruments que nous avons ramenés de notre voyage autour du monde. Dans nos valises, nous avons ramené des instruments, des souvenirs, des chansons. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous offrir à vous le tour du monde. C'est sympa. Mais avant de partir en voyage tous ensemble, j'ai besoin de savoir si vous êtes un bon public. Oui. Mm-hmm. On va quand même vérifier si vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon public. Montrez-moi celle-ci. Très bien. Montrez-moi l'autre aussi. C'est bien. On va voir si elle fonctionne bien. Les marionnettes. Les oreilles de lapin. Ça marche très bien. Un doigt dans l'oreille du voisin, on tourne bien. Ces gens-là, ils ne sont pas lavés les oreilles. Non, non, on va faire plus simple, on va faire plus simple. On va faire le bruit de la pluie. On met les mains comme ça et on tape sur ses mains. Alors, on va faire encore mieux, on va faire le bruit. On met ses mains bien autour de sa bouche comme ça et on souffle fort entre ses mains. Alors attention, de mieux en mieux, on met les mains comme ça
maintenez un applaudissement à mes camarades sur scène, Nicolas et Victor. Voilà, maintenant que nous nous sommes présentés, place au voyage. Laissons derrière vous les colliers de fleurs et Tahiti. Au revoir. Et partons tout de suite au Pérou. Là-bas, au Pérou, sur les hautes montagnes du Pérou, les gens ne portent pas des colliers de fleurs, mais des bonnets, comme ceci. En haut des grandes montagnes du Pérou, bien évidemment, on trouve d'autres instruments de musique. Comme par exemple, cette petite guitare que Victor tient dans ses mains. Et que là-bas, on appelle le charango. Et tout en haut des grandes montagnes du Pérou, au son du charango, de la petite flûte et du grand tambour, les chansons parlent du ciel, bien sûr, du soleil, du plus grand de tous les oiseaux, le condor de l'Eldorado. Au-dessus des montagnes, le ciel est si beau, si je pouvais avoir des ailes pour aller là-haut, glisser le long d'un arc-en-ciel comme les oiseaux, voyager tout autour du monde, suivre les ruisseaux, flotter. Porté par le vent léger, comme le plus beau condor de l'Eldorado, plus loin que les balapampapa, du si jouissant de la flûte et du charango. Par-delà les nuages, tout est bien plus grand que tous les pays de la terre et de temps en temps. Nouveau pays, nouveau chapeau. Et d'ailleurs, ce chapeau porte même un nom.
le voici. Ce chapeau, on l'appelle le fez. Tout simplement parce qu'il vient d'une ville baroque qui s'appelle Fez. Et bien sûr, au Maroc, on trouve d'autres instruments de musique, comme par exemple cette percussion que Victor tient dans ses mains et qui s'appelle la darbouka. Nicolas, dans ses bras, il tient la mandole. Mais surtout au Maroc, on trouve des musiciens un peu magiciens. Bien sûr, ces musiciens magiciens n'ont pas des baguettes magiques, mais une flûte magique. Une flûte qui leur permet, avec la mélodie de la flûte, de charmer et de faire danser les voix. Et aujourd'hui, mon cher public, c'est vous qui allez faire le cercle. Vous allez faire comme ça. Et danser avec vos mains. Montrez-moi comment vous faites ça bien. Alors êtes-vous prêt à vous laisser charmer et envoûter par le son de la flûte? Là-bas au Kenya, les chefs des tribus du Kenya portent des bonnets aux couleurs de leur tribu. Et dans une de ces tribus du Kenya, quand nous sommes arrivés, nous avons fait la rencontre d'un personnage bien étrange, bien mystérieux, la sorcière Mamalo, qui seule connaissait les danses et les chants qui font venir l'eau du ciel. Elle seule connaissait les danses et les chants qui font tomber l'eau de la pluie. Et bien sûr, ces danses et ces chants, elle les pratiquait au son d'instruments de musique que l'on trouve en Afrique. Comme par exemple le son du djembé. Tap, tap,
tape Mamalo, danse, danse Mamalo. Tape, tape Mamalo pour faire tomber l'eau de la pluie. Tape, tape Mamalo, danse, danse Mamalo. Tape, tape Mamalo jusqu'au bout de la nuit. Mamalo, Mamalo, Mamalo. Mamalo dans son village attend l'arrivée de la pluie. Elle danse pour que gagne l'orage jusqu'à la tombée de la nuit. Et tape, tape, Mamalo, danse, danse, Mamalo. Tape, tape, Mamalo, jusqu'à la tombée de la nuit. Et tape, tape, Mamalo, danse, danse, Mamalo. Tape, tape, Mamalo, jusqu'à la tombée de la nuit. Aïe, ah, yeah, oh, aïe, ah, yeah. Cette chanson, aïe, oh aïe, qui dansait, le long du ciel tombe sur moi, aïe, oh aïe, qui dansait, le long du ciel tombe sur moi. Mamalo dans sa tribu, tout le monde connaît sa magie, elle frappe seul de ses tribus pour faire tomber l'eau de la pluie. Tape, tape, Mamalo, frappe, frappe, Mamalo, tape, tape, Mamalo. Nous allons laisser derrière nous la magie des Mamalo. Quitter l'Afrique. Continuer notre route, notre voyage, direction cette fois-ci, la Russie. Ça change de l'Afrique. Alors figurez-vous que quand nous sommes arrivés nous en Russie, c'était l'hiver. Je ne sais pas comment ça se passe ici à Épinay l'hiver, mais en Russie il fait froid. Ici aussi. Il fait froid en hiver ? Non. Bah, figurez-vous, quand il fait froid en Russie, en tout cas, il fait vraiment très, 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 très froid. Et quand il neige en Russie, bah, il neige beaucoup, 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 beaucoup. Et bien évidemment, pour se protéger et du froid et de la neige, en Russie, on porte des chapeaux bien chauds. Comme ceci. Et on les appelle des chapkas. Alors pour se tenir chaud, rien ne vaut un peu de musique, un petit air de fête, de bonnes chansons au son des guitares. Alors tout à l'heure on a fait la pluie, vous vous rappelez la pluie? On a fait le vent, on vient même d'entendre craquer l'orage. Et bien maintenant on va chanter la neige. À chaque fois que je vais dire il neige, vous allez répéter il neige. Facile. Vous êtes prêts? Il neige. Il neige. Il neige. Il neige. Et c'est parti. L'hiver est arrivé au milieu de la nuit, en soufflant le bizarre partout sur le pays. Il porte son manteau de froid.
et de nuages et recouvre de blanc tout notre paysage. Il neige, il neige, il neige, il neige sur le toit du maison et le jardin de Babushka. Oui, il neige, il neige, il neige, il neige. Les flocons sont autour de moi. Le printemps est parti loin de notre vallée. Et chacun reste au chaud près de la cheminée. On prépare en riant des gâteaux, des brioches. On décore les maisons, car Noël est tout proche. Il neige, il neige, il neige, il neige. Sur le toit des maisons et le jardin de Babushka. Oui, il neige, il neige, il neige, il neige. Les flocons dansent autour de moi. Il s'appelle le concertina. Voici le son du concertina.
concertina va nous accompagner pour notre bal irlandais. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre danseur et nos danseuses. Venez par ici, approchez-vous. Et comment vous prénommez-vous? Vos prénoms? Cécile, un tonnerre pour Cécile, s'il vous plaît. Et Virginie, un tonnerre également pour Virginie. Alors, Virginie, ça va. Dans la lumière. Non, restez là. Voilà. Alors, puisque nous allons organiser. Ah oui, c'est éblouissant hein, d'être une star. Vous êtes une star aujourd'hui, voyez-vous. Voilà, vous êtes des stars. Alors, encore un dernier applaudissement pour nos stars. Donc, ça, s'il vous plaît. Bien, il y en a qui sont assis au fond qui se disent j'ai bien fait d'être assis au fond. Mais nous allons tous danser, n'est-ce pas? Et tous nous mettre debout. Alors, on va répéter tous ensemble ces petits pas. Il y en a trois. Pour ce premier petit pas, nous allons attraper la mimine du voisin ou de la voisine. Et on va faire des petits pas, des petits pas. Sur le côté en partant d'abord dans ce petit pas. 1, 2, 3, 4, des petits pas, l'autre côté. Troisième et dernier petit pas de danse, puisque nous nous sommes tous faits beaux, belles pour aller au bal danser, eh bien, on tient fièrement son gilet, son pull, son anorak, ses bretelles, son pyjama. Et comme on est tous beaux et comme on est tous belles, eh bien, on le dit fièrement qu'est-ce que je suis beau. Voilà, et comme on est tous beaux, belles et fiers de l'être, eh bien on danse fièrement en faisant les petits pas comme ceci. C'était les trois petits pas de danse. Je vous laisse en compagnie de notre équipe de danseurs du jour. Restez bien dans la lumière, mes amis, restez bien dans la lumière. Tout le monde vous voit bien. Et je m'en vais rejoindre Victor et sa guitare pour vous accompagner au son du concertina. Et 1, 2, 3 et 4. Merci.
Alors là, carrément chez nous, puisque nous partons tout de suite en Bretagne. À la rencontre de nos amis les marins bretons, les marins de Bretagne, qui, sur leur tête, portent des casquettes de marins comme celle-ci. Et bien évidemment, sur leur navire, sur leur bateau ICO, nos chers amis marins bretons emportent avec eux des légendes, des histoires, des chansons et des instruments de musique comme celui-ci. Ah ! Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'accordéon ? Non ! Eh bien, si, c'est l'accordéon. Ouais ! Le bébé accordéon. Il viendra grand, ces instruments. Comme vous, il va grandir, comme vous, vous allez grandir. Mais surtout, surtout cet accordéon, figurez-vous qu'il a un secret. Comme tous les accordéons, il a un secret. Figurez-vous que tous les accordéons, eh bien, ils respirent. Et s'il respire, c'est pour pouvoir chanter. Tiens, vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer tous ensemble de respirer avec l'accordéon. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et du coup, on va tous pouvoir chanter cette chanson de marin qui dit, écoutez bien. Vivre sur la mer, la mer, la mer. Vivre sur la mer et tous les océans. Avec moi. Vivre sur la mer. Eh bien, on va profiter d'être avec ces marins bretons pour embarquer sur leur bateau, sur leur navire. Hissons la grande voile, hisse ta grande voile. Oh, hisse la 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 grande voile. Souffle le vent dans les voiles. Coucou les poissons! Bonjour les mouettes! Oh, 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 oh.
bateau. Vogue, navigue. Va par le courant. Suis et traverse les océans en direction l'Amérique latine. Première étape, Cuba. Là-bas, à Cuba, les musiciens portent les petits chapeaux de paille. Et bien évidemment, à Cuba, on trouve d'autres musiques, d'autres rythmes, comme, par exemple, et peut-être avez-vous déjà entendu ce mot, le mambo. Oui. Ou bien également, le cha-cha-cha. Oui. Et bien, pour jouer ces rythmes, il nous faut d'autres instruments de musique, comme par exemple, ces deux petits morceaux de bois que l'on tape l'un sur l'autre et qu'on appelle des claves. Yes. Ou bien par exemple le son de la cloche. Mais également le son très étrange et particulier du güero. Et si l'on mélange le son des claves, le son de la cloche et le son des güeros, si l'on mélange tout ça et qu'on touille bien, et bien ça nous donne... Par-dessus tout ça, on va rajouter cet instrument-là. Et cet instrument, il s'appelle la conga. Nicolas va nous rajouter un petit peu de basse. Et cet instrument que voici, que voilà, qui ressemble à une guitare, eh bien, ce n'est pas une guitare, eh bien, mais c'est une petite mandoline. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait le mambo, il y avait le... Vous vous rappelez-vous? Ah, le cha-cha-cha. Et bien notre chanson l'a tout simplement appelée, eh bien, mambo cha-cha-cha. Vous allez la chanter avec nous, ça fait mambo cha cha cha, mambo cha cha cha, avec moi. Mambo cha cha cha, mambo cha cha cha, encore une fois. Mambo cha cha cha, mambo cha cha cha, hey hey. Le plus beau matou de Cuba, quand il s'en va pour miauler sous la lune, perché là-haut sur le toit des maisons. Délicieux, allez faites des petites chats. Mambo cha cha cha, mambo cha cha cha, mambo cha cha cha, mambo cha cha cha. J'entends rien. Mambo cha cha cha, mambo cha cha cha. Le plus beau matou de Cuba, quand il se lèche en poil les babines, sur son museau il fait des petits ronds. Il reste là, bien assis et très bien. Chaque jour, il y a des chats. Que
On va rester en Amérique latine. Direction le Mexique, mes amis. Alors, au Mexique... Au Mexique, il y a un nouveau chapeau, mais avant de mettre ce nouveau chapeau, il nous faut enfiler notre... Ah, comment ça s'appelle, ça? J'ai entendu parler. Oui. Qui c'est qui a dit poncho? Levez la main ceux qui ont dit poncho. Ah, ils lèvent tous la main. Vous êtes tous intelligents. Ça, c'est super. Vous êtes tous les... Trop fort. Toi, tu savais pas? Si, tu savais, Nicolas. Ah, t'as levé la main quand même. Alors ça, c'est le poncho. Et comment s'appelle le chapeau que voici, que voilà, Nicolas? Déjà. Ah, très bien. Oui, je l'ai entendu. Sombrero. Exactement. Alors, faut que je mette la guitare avant, sinon ça ne rentre plus. J'ai la grosse tête. Voilà. Un sombrero pour Victor. Merci. Un sombrero pour Bibi. Merci. Ah non, ah, d'accord. Bon, voilà. Merci. Et trois sombreros. Que voici, que voilà. Alors, figurez-vous que, non seulement au Mexique, on trouve les ponchos, les sombreros, mais bien évidemment, un nouvel instrument de musique. Alors, il est un peu caché par ici, par ici, par ici, par ici, par là. Et Victor est assis dessus. Et cet instrument de musique, eh bien là-bas, on l'appelle le caron. Et c'est une percussion. Mais surtout au Mexique, il y a quelque chose d'étrange. Figurez-vous qu'au Mexique, quand les gens sont contents, quand les gens poussent un cri de joie, ils ne font pas « Youpi !» Non. Au Mexique, quand les gens sont contents, quand ils poussent un cri de joie, ils ne font pas non plus « Wouhou !» Au Mexique, quand les gens sont contents, quand ils poussent un cri de joie, ils font « Aïe, aïe, aïe !» Étrange partout, nous. Alors, je ne sais pas vous ici à Épinay ou Sénart comment vous faites, mais nous, quand on dit aïe aïe aïe, c'est en général parce qu'on s'est fait. Ah, bah oui, vous aussi c'est pareil. Mais oui, quand on dit aïe aïe aïe, c'est parce que ça fait. Et du coup, on a écrit une chanson mexicaine qu'on a appelée aïe aïe aïe. Et à chaque fois que je vais chanter aïe 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 aïe, vous allez répondre ça fait mal, ça fait mal. On va essayer. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, je dis aïe aïe aïe, vous vous dites ça fait mal, ça fait mal, vous avez tout compris. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal. C'est pas mal. Et bien, c'est parti pour cette aventure mexicaine. Sur la grande place d'Acapulco, j'attendais mon ami San Pedro pour aller danser dans les fiestas et manger quelques tortillas. Et j'étais bien trop pleine de mexicains, de mexicaines. Il ne faisait pas d'attention et me marchait sur les boutons. Au bout d'une heure de bousculade, j'avais du pied en marmelade dans mes souliers, mes jolies chaussettes étaient toutes chiffonnées. Chiffonnées, chiffonnées. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Il a mal, il a mal. Aïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Autant de marcher sur les pieds. Sur les pieds, sur les pieds. Alors on a quitté la ville pour trouver un endroit tranquille. On est parti dans la campagne, chacun bien assis sur un âne. Mais le mien s'est mis à galoper en faisant des bonds de tous côtés. Et il a choisi comme Berlinus le plus gros de tous les cactus. J'ai atterri les fesses dessus sur les plus cambreux et pointus. Mon pantalon ressemblait alors à un très gros hérisson. Hérisson, hérisson. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Quand on se pique le popotin, popotin, popotin. Comment écoute ces maladresses. J'avais mal aux pieds et mal aux fesses. Nous allons tous les deux décider de faire une sieste bien méritée. Mais sous le ciel d'Acapulco, alors qu'il était vraiment trop chaud, on peut s'ouvrir tout de suite envoler. Pendant que j'étais allongé au bout d'une heure sous le soleil, j'étais rouge comme une groseille. J'avais si chaud, j'ai plongé d'un coup de tête dans un tonneau. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Il a mal, il a mal. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal.
ça fait mal. Quand tu te fais griller les joues, griller les joues. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal et ça fait mal. Ah oui, là j'ai mal. Il a mal. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal et ça fait mal. Mes amis, ça va pas du tout. Oui, mais nous, on s'en... Oh là là, l'aventure. Vous savez ce que je réalise là tout de suite? Je suis en train de récapituler cet été. Oui. Je récapitule dans ma tête. Regarde, on a été à Tahiti. On a été ensuite au Pérou. Après, on a été au Maroc, au Kenya. On est parti après en Russie, en Irlande, en Bretagne. On a pris le bateau direction Cuba, le Mexique. Et nous voilà déjà arrivés à notre dernier parcours, à notre dernier pays, notre dernière étape. Mais quelle étape? Quelle étape, puisque nous allons tout de suite au Brésil pour le carnaval du Brésil. Alors, vous connaissez le carnaval, les enfants? Oui. Le carnaval, c'est le moment où tout le monde se déguise. Tout le monde porte un chapeau, des plumes, des paillettes. Tout le monde sort dans la rue, danse, fait la fête. Bien évidemment, les musiciens sont là. Et les instruments de musique également sont là, sont présents. Comme, par exemple, la caisse claire et le rythme du samba. Ou le son des agogos. Important pour faire la fête au carnaval, c'est le bouche ton popotin. Vous connaissez ça, le bouche ton popotin? Alors c'est très facile, il suffit de se mettre debout tous ensemble et de bouger le popotin. Bienvenue à Tahiti. Allô. Et bien comme c'est le carnaval au Brésil, on lui dit bonjour et là-bas on dit bom dia.
camarades sur scène. Mes camarades avant tout, Nicolas. Grâce à lui que nous avions la lumière et le son, c'est Julien, on l'applaudit s'il vous plaît. La tonnerre également à nos danseuses du jour. La tonnerre à vous tous également, allez. La tonnerre à la Valérie qui est là, ouais. La tonnerre pour le collier de fleurs, ouais. Bon, ça va Sylvain, tu t'arrêtes un peu. Excusez-moi, ça fait plaisir d'être avec vous. Et du coup, on va vous emmener dans un dernier pays. On va partir, c'est bien, on va partir. Je vais m'asseoir et vous allez vous asseoir avec moi. Voilà, pour ce dernier pays, parce que nous allons partir à la rencontre d'un animal mystérieux et un peu discret qu'il faut regarder et observer avec silence pour pouvoir l'approcher. C'est le tigre du Bengale, et le tigre du Bengale, on le découvre et on le trouve en Inde. Et en Inde, on porte sur la tête des turbans. Comme ceci. Alors pour aller à la rencontre de ce tigre du Bengale, je vous ai dit, il n'est pas très facile à trouver. Il va falloir rester sage et discret. Et pour ça, j'ai besoin de savoir si vous avez gardé tout ce que vous aviez au début. Très bien, alors on va mettre ses mains comme ça, juste au-dessus de la tête. Et on va descendre tout doucement ses mains sans faire de bruit devant son visage. Tout doucement comme ça. Et quand ses mains arrivent devant les yeux, on ferme les yeux et on garde les yeux bien fermés. Toujours fermés. On descend encore les mains. Et quand les mains arrivent devant la bouche, on ferme la bouche. Et on garde la bouche bien fermée. On ouvre juste quand les oreilles pour entendre le son des instruments de musique que l'on trouve en Inde, comme le son que vous entendez maintenant, le son de la tambora. Maintenant, écoutez le son des tablas. Et vous allez reconnaître le son de la mandole. Dans la forêt du Bengale.
partout où tu vas, nous te cherchons depuis toujours. Même sans le tonnerre pour le petit gars du Bengale, je te vois parfois dans la forêt du Bengale. Tu descends entre les bambous, petit gars du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale et tu glisses entre les bambous. Le soleil couché, tes yeux brillent au fond de la nuit. Comme le feu des étoiles, les enfants sont nés sur le doux parfum d'un tapis. Le mousse et le pétard, tigre du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale. Tu glisses entre les bambous, tigre du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale et tu glisses entre les bambous. Depuis bien longtemps, tu vis au fond de ta tanière. Les gens de pour les hommes viennent de temps en temps. Tu viens chasser près des rivières. Quand les villages s'endorment, tigre du Bengale. Je vois parfois dans la forêt du Bengale, tu glisses entre les bambous, tigre du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale, tu glisses entre les bambous, tigre du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale, tu glisses entre les bambous, tigre du Bengale. Je te vois parfois dans la forêt du Bengale et tu voilà, notre voyage s'achève ainsi en Inde avec vous. Mais votre voyage à vous continue parce que vous pourrez voyager en écoutant d'autres musiques, d'autres chansons. Et les musiques seront là très longtemps encore, éternellement sûrement. Vous pourrez voyager comme ça, des années et des années et des années grâce à la musique. Avant de vous quitter, on aimerait vous dire merci. Merci pour vos yeux, pour vos oreilles, pour votre écoute et votre participation. Merci à vous tous du fond du cœur. Et peut-être à bientôt, qui sait, ici ou ailleurs. Au revoir. Ah bah ça fait du bien d'entendre ça par le temps qui court avec le temps qui fait. Ah oui, c'est vrai. C'est bien agréable, ça nous réchauffe. C'est vrai que ça dynamise un peu dans la grisaille. Hein. Mmh, oui, c'est vrai. Ah. Ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est vrai. Un besoin pour un changer de temps. Alors, est-ce qu'on vous a dit que vous levez? Oui, bah oui. Ne me semble pas. Hey, j'entends Théo, pourquoi? Hein? Parce que toi, tu voyages. T'es parti très loin. Ouais, voilà. Alors, quel pays vous allez visiter?